Good morning YouTube, on va présenter un panneau solaire aujourd'hui, un 100 watts de Soul Power dépliable, yes! Alors, je déballe, hop, c'est mon frère qui est là, regardez, hop, voilà, ah sympa, dans une petite sacoche et tout, ah il est beau, ah je le trouve sympa, hop, petite valise, oh ça pèse vraiment pas beaucoup, ah, toutes les prises, génial, recharge USB, les prises pour les ordinateurs portables. Ah ça c'est bien ça, recharge batterie, j'adore. Ah ça je trouve ça super. Donc c'est pas seulement pour alimenter une station d'énergie all power, tu vois. Ça fait tout. Un petit mousse-tecon, un deuxième mousse-tecon. Et puis ça c'est la prise pour recharger une all power. Une all power, un troisième mousse-tecon, t'as vu ça c'est sympa. Bien. Donc on va le déplier avec une main, voir ce que ça donne, et puis on va le tester avec un multimètre, voir combien il envoie. Ça tombe bien, on a un peu de soleil aujourd'hui, et on va tester sa puissance. 2, petit multimètre, hop là, c'est parti. Ah ouais, donc j'ai pas appuyé, donc là on va brancher maintenant, on va voir ce que ça donne. Comme je disais, j'ai fait des modifications sur le Pearl. Je suis en train de revoir la soude. J'ai enlevé un panneau solaire qui était 100 watts, qui prenait toute la place. Il l'avait mis en travers, le mec, avant. Donc, je vais remettre un 400 watts. Ça me fera 800 watts après. Donc, voilà. Là, je modifie beaucoup de choses. Je suis en plein dedans. Quand il y a le beau temps comme ça, ben, laisse tomber. Ça me donne plein d'idées. Alors, notre petit panneau solaire sympatoche de chez All Power. Que vous savez que j'aime beaucoup All Power. Donc, j'ai branché là avec les pinces. On voit ici les sorties USB, USB-C, qui sont super. Et puis là, on a 23,7 volts pour un soleil qui est incliné, qui n'est pas totalement encore au zénith. Hein, c'est le petit matin. Donc, c'est pas mal du tout. Ça fonctionne bien. Donc, ça veut dire quoi? Globalement, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Maintenant, c'est un panneau 12 volts. C'est tout ce qui est au-dessus de 12 volts va rentrer dans votre batterie. C'est comme ça qu'il faut que vous pensiez. Des fois, ouais, mais je comprends pas, les panneaux, c'est marqué 18 volts. Mais de 12 à 18, tu vas rentrer d'énergie. Donc là, on a une performance qui est quand même sympathique pour un petit appareil comme ça. Je pense que les cellules sont vraiment de qualité. En plus, là, c'est pas tout à fait à plat. Est-ce qu'on gagne un petit peu plus? Est-ce qu'on gagne un petit peu plus? Non, 23,6. On verra plus tard. Mais je crois que là, c'est pas mal du tout. Oh, c'est sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Donc après, là, on débranche. Ici, je vais vous le mettre en description, ce panneau solaire, les enfants. Hein. Vous allez le retrouver. Et alors après, je me rappelle plus comment je l'ai déplié. Comme ça. Après, j'imagine que c'est... non, ça, c'est en dessous. Donc après, on rabat, puis en dessous. Alors, donc j'ai branché le petit panneau solaire à une vieille ancienne batterie que j'ai qui existe, qui est super formidable, qui tourne toujours, même si je l'ai laissé dehors et tout. Et là, on va charger, donc tout ce qui est au-dessus de 12 va remplir notre batterie au gel. C'est une super batterie, ça. Hein. Elle est vraiment sympa, 900 watt-heure. La ES900 chez Exit en gel. Bon, bien sûr, maintenant, lithium, mais tu vois, ça reste une bonne batterie pour l'autonomie, dans un jardin ou quoi, ou... voilà, donc là, on va s'amuser à charger un petit peu avec ce panneau solaire, ça va être sympa. Voilà, donc vous le retrouvez en description, les enfants. Je trouve qu'il envoie bien, je trouve qu'il a la patate. Il est léger, les cellules tournent bien, et puis tous les accessoires, ça m'a plu. Parce que au départ, je croyais que c'était juste un panneau, juste pour les stations all power d'énergie. Et en fait, non, c'est un panneau solaire polyvalent, donc il va servir pour tout. Et ça me plaît. Et je trouve les coutures très solides. Le pliage sympathique et le coup de la valise, c'est sympa. Franchement, All Power, j'ai rien à dire. Les enfants, c'est formidable. Les enfants, on se retrouve très vite dans les vidéos aujourd'hui. Voilà, on va faire un petit barbecue. On est installé là. Et on va profiter un peu. C'est le printemps, hein, les enfants. C'est le printemps. Ciao, ciao tout le monde. Petit pouce, abonnez-vous, mettez, actionnez la cloche. Comme ça, vous ratez rien parce qu'il y a des super vidéos qui arrivent. Ciao, ciao.